Axel et Fanis. Yeah, dude. Oh, juste à temps pour le son de Konami que j'adore personnellement. Ooh. C'est très doux. Mesdames et messieurs, bienvenue à Axel et Fanis. Oh. Autour de Fanis de manipuler la manette. The ancestors of the Belmont family. Est-ce que tu parles vraiment de manette quand tu parles de manipuler? Wow, dude. You're being hot. Wow, j'adore ce qu'elle portait. Madame! Ah, et she disappeared. Elizabeth Bartley. Fait que, on est sur le app de Sega, qui est sur la Nintendo Switch Online. Et j'ai vu, hier je faisais des tests pour Axel et Fanis. Wow. Et, ben, tu peux commencer. Yeah? On peut okay. Skipper. Là. Let's go. Wow! Je voulais juste tester vite, c'est comme visuellement, si c'était correct. Puis je vois ce jeu-là, puis je suis comme Castlevania, mais comme Bloodlines, je pense que c'est comme considéré le 3. Ah oui, tu peux laisser la difficulté. Puis Players, je pense que c'est comme ton nombre de... De vie? De, ouais, mais par défaut, je pense que c'est chill. Ouais? Ouais. T'as-tu pris en compte le fait que je t'ai chié? Oui. OK. C'est bon. C'est un jusqu'à la mort, fait que jusqu'à temps que Fanny, c'est game over. Puis okay, bon, hier, j'ai joué un peu, puis j'étais comme, OK, ça pourrait être solide pour Axel et Fanny. T'as le choix entre John Morris ou Eric Lecard. Quand j'ai vu Eric Lecard, je l'ai pris. Ben là, man, c'est sûr. Ben pour vrai, il y a une spear, puis la spear, elle est fun à contrôler. Ben oui, mais je veux dire, c'est Eric. Mm-hmm. Fait quoi, le gros mousse Eric Lecard, man? Lecard, ça sonne vraiment agressif. Je sens que c'est un petit con, là. Il était cave au secondaire. Ouais. Personne ne l'aimait. C'est-tu fort comme son? J'aurais-tu le baissé un peu? Little bit. Ah, j'allais le baisser. Tu dans le jeu? Non, malheureusement. Les jeux rétro ont souvent comme un sound plus élevé. Oh, dude! Man, c'était beau. Ça donnait le goût de jouer, genre, pour l'époque. La musique, un petit peu moins, là, mais... Ouais. Ouais. Ah, attends, c'est la musique officielle. Okay. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que moi pis toi, on n'a pas grandi avec Sega, right? Non. Fait que il y a quand même beaucoup de jeux qu'on n'a pas découvert. Puis là, il y a peut-être des gens. Attends, mais ça, ils l'avaient pas comme sur SNES? Ben, ça, j'allais dire, il y a sûrement eu du portage. Ouais. Wow. Je savais pas que tu fais faire ça, moi non plus. Fait que oui, il y a sûrement eu des ports un peu partout, mais celui-là, je l'avais jamais joué. Bon, je suis pas un huge ass fan de Castlevania, j'ai découvert récemment. Je suis un fan de cette musique-là, vraiment. La musique est nice. Puis le gameplay reste quand même tight pour 2022. T'es ici! C'est du bon vieux. Metroidvania? Ouais, ben. J'oublie tout le temps que le mot Metroidvania, ça vient de Metroid et Castlevania. Ah, pour vrai? Ouais, un mix des deux. Yeah. True. Voyons, il apparaît tout le temps, man! On dirait que je suis en train de jouer à... Ah! Oh non, il y a déjà de la misère. Oui! Et bien sûr, on n'a pas besoin de te dire de péter les chandelles parce que c'est là que toutes les bidous se cachent. Ouais, mais là, parlant de bidous, faut que je fasse attention, j'oublie. Faut pas que j'oublie que je suis dans un jusqu'à la mort. Exactement. Parlant de bidous, tu me dois 10 piastres pour le déjeuner. C'est pas vrai, c'est toi qui as payé cette fois-ci. Ah, oh, d'autres! Ah! What the fuck? C'est trois coups. Ok. Easy. Oh mon dieu, mais je pensais que c'était un item! Ouais, moi aussi au début, mais. Attends, nope. Yeah! Dude, ça c'est un freaking nice move! Sure, mais genre, je peux pas. Tu peux pas y aller après, non. Okay, ouais. Attends, mais je suis. Ah! Oh. Yeah, there you go. Fait que, non, c'est. Comme. C'est un genre que. Ben, moi quand j'étais jeune, c'est le genre de jeu que j'évitais juste à cause que c'était comme trop. Trop réaliste, si on veut. Si, genre, j'étais pas dans le côté. Comment on appelle ça? Genre, c'est-tu du. Non, c'est pas du Lovecraft, right? T'sais, oh my god, du 18. Non. Hey, bonne question. C'est quoi? Comment qu'on désigne ça? Là, parce que Bloodborne, c'est Lovecraft. True. Ça, je dirais que c'est du. Oh fuck, que j'ai fait. Mais ben, c'est des vampires. Du Vampirecraft? Vampirecraft. Non, mais okay. Vampire, c'est comme du. Ça a son univers. Mais c'est ça, c'est dessus. Ça les tueuse, les gens à la maison. Médiéval Lovecraft, je sais pas. Mais mon point, c'est que, tu sais, on se fiait beaucoup aux pochettes quand on allait louer un oui, jeu. Oui, ah, tellement. Tu sais, les pochettes de Castlevania étaient comme des dessins très... Ouais, j'ai l'impression que j'allais jouer à Torgal, là. Oui, pas, c'est ça. C'est comme... Fait que, tu sais, c'est comme... On dirait que j'allais toujours pour du colorful, mais... Yeah, moi aussi. Je réalise finalement que c'est comme... Ces jeux-là, c'est genre des jeux de qualité, là. Ouais. Tu sais, je pense que ce genre de jeu-là, comme Castlevania, gagnerait du... Oh! First boss. Mais attends, c'est quoi son move? Pour vrai, moi, j'ai démoli. Il crawl. Attention, les vitres font du damage, man. Mais non, t'es pas sérieux. Je te le fucking jure. Je meurs. Arrête de paniquer! Je meurs. Of course, démoli!
T'es bon, mais fucking un boomerang platformer. Avec un autre piton aussi. Hein? Vite, il va péter d'autres. Il va péter. Attention. Ah! T'es très faible, t'es très faible. Ben oui, je suis très faible, c'est sûr! j'ai pas déjeuné. Il achève! Tu vas peut-être l'avoir deux. Boomerang! Ah! Boomerang! Il reste deux coches à péter. Ok. Faudrait qu'il recrée. Une coche, dude! Ok. Yes! Hey, check comment il explose, c'est dégueulasse. Ah! Ah! Mange-le! C'est dégueulasse. Pète-le, pète-le. Mange-le! Mange-le! Ok, c'est beau. Dude, t'as survécu. Ben peine. Oui. Hey, check ça, man. Je sais qu'on pourrait voir ses fesses à un moment donné. Oui! Un petit coup de batte trop beau. Ouais, pis genre, il vient gêné. T'as-tu le premier boss? Tu le vois sur sa face. Là. Mais avoue que c'est le genre de jeu parfait pour comme un jusqu'à la mort parce qu'il ouais. y a le petit défi. Je suis d'accord. Si tu fais pas attention. comme là, tu fais pas attention. Hey, dude, j'ai fait full attention. Non, c'est vrai. Ok. Mais ouais, pis avec le temps, on dirait que j'ai beaucoup de respect pour ce genre-là. Non, je pense que ça veut dire que t'avais beaucoup de respect pour moi. Non. Malgré le fait que. Oh, malgré le fait que j'ai zéro nostalgie reliée à ce genre-là. Là. True. J'ai assez dépaté eux, mais. Ouais, ça marche pas. Peut-être avec ton move chargé. Non, je l'ai fait. Ouf. Mais là, j'ai besoin de vie. 500. Ils sont bien cheap avec la vie. Ils sont très cheap avec la vie. Mais si tu meurs, c'est pas game over, by the way. Là. Non, je sais, mais. Oh, oh, ok, j'ai cette habilité-là. C'est vrai, faut que je pense ouais. à. C'est vraiment toutes les weapons de Vampire's Survivor. Ben. Is it? Ok, eux sont quand même longs à péter. Ben, je sais pas toutes, là, mais. Mais j'avoue, là, le axe. Boomerang. Y a-tu un boomerang dans Vampire Survivor? Ben oui, tu m'as dit de l'utiliser tantôt. Ah non, dans. Ben oui, là. Oh oui, y en a un. Non. Non? Non, il y a les dagues. Le fouet. Les le dagues. Fouet, ouais, en tout cas. En tout cas. Il arrête. Il a fini. Ouais. Ah! God, this dude. Mais oui, il est bien fort! Ok. Attention ici, là. Ah oui, je sais, ça flippe. Ça flippe dès que tu vas dessus. Yeah. Oh. Et ça flippe par lui-même, hein. Ouais, c'est cave. Fanny! D'où ton spear a revolé puis a tombé. Ça m'a tué! Mais oui, c'est normal, si tu voulais, c'est une animation. On checkera dans l'accent que tu meurs. Oh. That's it. Ah, je les pète, man. Mais ils sont vraiment. Tanky? Non, ils donnent rien côté health. Ouais, ils sont tough, là. Le jeu est tough. C'est tough. Ouais, c'est ça. Ça va, lui? Ah, le gros, moi, c'est Eric, là. Tough, man. Bienvenue à Château Vanille. Château Vanille. Château Vanille, c'est comme ça que je prends mon café le matin. Château Vanille, toi, c'est pas le nombre de sucres que je crisse dedans. Ah, ah. Mais on se malade, hein. Il est fou, man! J'aime mes femmes... Attends. En agro, man, j'aime mes femmes comme j'aime mon café. Je suis tantôt vanné. Personne le comprend, là. Ah, d'où? Bravo, non, mais un c'est miroir. Quoi, ça? Hey, gros, je peux voir mes packs! Hey, check ça, quand je le mets en dessous de moi, on voit mes balls! Tu vas bouger ses balls un petit peu. Oui, oui. Ah! D'où, c'est tough! Tu sais ce qu'on devrait faire à un moment donné? Quoi? Mettons qu'on fait un meet. Mettons que Axel Efanis devient huge, là. Non, ouais. Attends, c'est pas peut-être une bonne idée. Non. Mettons qu'on on va à un barbecue à un moment donné. Yeah. On arrive en personnage d'Axel. Non, on arrive en kilt. Avec rien en dessous. Fait que. Non, c'est pas les escaliers. C'est pas les escaliers. Ok. Non, mais ce serait. Fait que toute la soirée, on fait attention pour pas que nos bars se font reveal. Saute par-dessus. Yeah. Pour vrai, c'est sûr que je fail. Oh, il s'est fait chopper! Ça, ouais. C'est cool quand l'environnement peut faire mal. Ouais, c'est ça. Oh, c'est bon ça, Fanis. Ben, je sais. Fanis, c'est genre tout calme. Ben, je sais, lui. Oh, God. Non, mais oublie ça, je pourrais jamais passer. Puis, surtout si la soirée implique de l'alcool, c'est fini. Éventuellement, dans la soirée, je fais exprès pour tout dévoiler, oui. Ça. C'est ça qui c'est. Hey, check ça. Ah, ouais, c'est ça. Ouh. Attention, tu cours! C'est là que je suis mort, moi. J'ai été game over là, Fanis. Oh! Il te reste une chance. Oh! Don't fuck it up, dude. Ok. Oh non, c'est comme. Bring, bring. C'est comme RuPaul. Don't fuck it up. And don't fuck it up. Yeah, ah, bah ok, mais il est connu, genre, il est voulu, là. Ils veulent le tuer. Ah, oh. Tu parles. Voyons, ouais, mais je, celui qui se suicide. Non, sacrément! Non. Mais là, non. Je fais plus de damage, dude. Non, c'est ça. Ah, oh, parce que ta spear est plus upgraded. Mais non, c'est ça, je suis rendu pauvre, là. Ok, j'y vais. Eh là là, hein. Mais hey, tu peux-tu marcher plus vite? Peut-être même pas ça. Mais non, mais fuck off. Ah! Oh my god. Good job, good job. Oh, c'est... Ouh! Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est le ver solitaire de Eric. Hey, gros, merci de m'avoir guéri. Tu m'as pas nourri. Bah ouais, je t'ai donné un château vanille.
long! Oh my god. T'es pas rendu vieux. Ah, le gros check, la lune, là, elle est pleine. Ouais. Elle est pleine comme un bord! Oh, sacrément. Il lève son kit. Ils sont vraiment you! Wow! Hey, ça, c'est du Dark Souls shit right ouais, there. Ouais, hey, c'est vrai. Attends, qu'est-ce qu'il fait? Saute, saute! Do! Je suis mort. Ben, voyons t'as donc. T'as vraiment perdu. Hein? Ben oui, mais c'est parce qu'on disait que tu frappes pas. Genre, si tu fais aucun damage. Non, mais je fais quoi? Faut pas que je jump par-dessus, c'est impossible. Là. Mon kit est pas assez cool pour ça. Ok, ça fait du damage. C'est juste que le son est pas satisfaisant. Non, oh non, my pas. God, dude. Hein? Ça le repousse-tu quand ça? Mais là, je suis même pas sûr de ce que je fais. Tu fais bien ça, en tout cas. Ouais. Parce que ah. Tu sais pas ce que tu fais. Ah! Je suis mort. Yeah, le spear vient te... Non, il rit de moi, en plus. Mais là, attends, si... Ben écoute, Fanny, c'est jusqu'à la mort, elle était morte. C'est fini. Fait que ça fait 10 minutes qu'on... Et voilà! T'as ben, des continue. That's the concept, I guess. T'as deux continue. Ça, c'est comme Joe et Mac. Est-ce qu'on fait jusqu'à la mort, incluant les continue? Tu sais, deux, c'est vraiment pas spé. Ça pourrait nous donner du contenu. Un vrai de game over, genre? Un vrai de vrai? Un vrai de vrai game over. OK. Ok, oh. Ben ça va être un prochain épisode par exemple. Prochain épisode? Dude, un continue par épisode, ça fit moi, ça fit mes skills. Let's go. Let's go! Bye!